Bonjour à vous et merci d'être là derrière votre écran, ici, dans le vallon de Saint-Imier ou bien plus loin. Cette semaine, j'avais envie de prévoir mes vacances d'été, au soleil, avec une virée au théâtre ou au cinéma, voir un concert. Et puis, je me suis demandé si cela serait possible. En juin, on organise des manifestations par ici, dans nos paroisses, dans nos villages. Est-ce qu'elles aussi, elles seront possibles? On nage un peu dans l'incertitude. Et ce n'est pas évident. On aurait plutôt envie de concret, de savoir comment ça va se passer, de savoir ce qui va se passer, de savoir à quoi ressemblera le monde pour pouvoir imaginer comment on pourra s'y déplacer, de si on pourra revoir certains de nos proches qui sont loin, de qu'est-ce qu'on pourra faire, qu'est-ce qu'on pourra vivre. Ah, si on pouvait tout savoir. Me voilà devant une encyclopédie, voilà donc une collection de savoirs. Comme c'est rassurant de se dire que tout le savoir est contenu ici, juste là, vous trouvez pas? Mais avez-vous vu la taille de la Terre et la multitude des êtres vivants et des objets qui la peuplent? Comment contenir toute cette immensité dans un ouvrage ou dans une collection d'ouvrages? Bien sûr, les encyclopédies en ligne offrent des avantages et bien plus de place. Par exemple, Wikipédia contient 2 325 507 articles actuellement. C'est un peu difficile de se représenter ce que cela signifie exactement, mais c'est déjà bien plus qu'une encyclopédie papier. Et pourtant, cela reste très petit par rapport à la complexité du monde. Mais même si on n'arrive pas vraiment à tout rassembler ce savoir, il y a cette envie et ce besoin de savoir qui demeure. Si on savait tout, plus d'angoisse, se disent certains et certaines. Et pourtant, ce qui est beau dans la vie, c'est aussi que nous ne savons pas tout, que nous ne maîtrisons pas le monde et que nous ne le ferons jamais. Je repense alors à cet échange entre Thomas et Jésus dans la Bible, dans l'Évangile selon Jean. Thomas dit « Mais Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pourrions-nous connaître le chemin ?» Et Jésus répond « Moi, je suis le chemin, c'est-à-dire la vérité et la vie. » Que le Christ est le chemin, c'est une phrase qu'on entend souvent. Mais je dois avouer que c'est parfois un peu abstrait pour moi, surtout quand dans mon esprit j'aurais besoin de réponses. Ce qui me plaît pourtant dans ce texte, c'est ce terme de vérité. Le chemin, c'est la vérité. Et puis la vérité, elle n'est pas chez nous, elle n'est pas au milieu des humains. La vérité totale, la connaissance totale, n'est pas entre nos mains. C'est impossible de tout savoir et il serait naïf de penser que nous en sommes capables. Pour pouvoir avancer sur un chemin de vérité, il nous faut faire confiance, confiance en celles et ceux qui nous entourent, celles et ceux qui nous veulent du bien. Confiance aussi en cette force qui nous dépasse, que certains et certaines appellent Dieu Père et Mère, Fils et Saint-Esprit. C'est en ne cherchant pas à contenir et attraper la vérité que nous en sommes les plus proches. Alors nous ne savons pas tout, nous ne maîtrisons pas tout, et ce n'est pas grave. C'est peut-être là toute la difficulté. Il nous faut lâcher prise. Nous faisons de notre mieux avec ce que nous savons et la confiance que nous déposons. Peut-être que nous pouvons chacun et chacune se demander en ce moment « En quoi est-ce que j'ai confiance ? En qui est-ce que j'ai confiance ? Qui partage mon chemin de vie ?» Et avec cette confiance qui comble les inconnus, nous pouvons marcher dans le monde qui nous est offert et même esquisser quelques pas de danse.